Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de vol. Nous vous accueillons aujourd'hui à bord d'un hélicoptère EC-145 de la sécurité civile, les fameux dragons qui assurent bon nombre de sauvetages de personnes chaque année un peu partout en France. Nous sommes au-dessus de la base de Nîmes-Garon qui est la base arrière de tous les hélicoptères de la sécurité civile et qui sera également prochainement la base de tous les bombardiers d'eau de la sécurité civile, notamment les fameux Canadair qui vont donc quitter Marignane pour s'installer définitivement ici. Nous allons consacrer l'ensemble de cette émission à cet événement. Mais tout d'abord, sommaire, on se retrouve juste après au sol avec nos invités. Le Canadair, emblème de la lutte aérienne contre les incendies, est le fer de lance de la sécurité civile. Un avion unique, capable de se ravitailler seul en eau. Un de ses pilotes nous racontera tout à l'heure comment il se maîtrise. L'histoire de la lutte aérienne contre les incendies a commencé avant le Canadair, avec le fameux Catalina. Retour sur ces avions pas comme les autres dans ce numéro. Enfin, la sécurité civile, ce sont aussi des hélicoptères de secours aux personnes. Leur base principale est installée à Nîmes. Elle est à découvrir dans ce carnet de vol. Voilà, on se retrouve donc comme promis ici au sol à Nîmes-Garon, mais à bord tout de même du cockpit d'un des fameux Canadair de la sécurité civile qui, vous le savez, vont donc désormais s'installer définitivement ici en quittant Marignane. Alors, cet événement a été fêté en grande pompe hier avec une inauguration ministérielle, doublement ministérielle même, avec le premier d'entre eux, Bernard Cazeneuve, qui a fait le déplacement pour l'occasion, accompagné de Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur et à ce titre responsable de la sécurité civile. L'occasion également de superbes démonstrations aériennes des engins de la sécurité civile, hélicoptères mais également Tracker, Dash et bien sûr les Canadair. Nous reviendrons plus en détail sur chacun de ces appareils au cours de cette émission, mais tout d'abord, je vous propose de revenir en arrière pour nous pencher sur l'histoire de cette base de Nîmes-Garon, une histoire essentiellement marquée par l'aéronaval. C'est un reportage de Florent Hertmann et Franck de Tranchant. En 1931, l'État achète des terrains pour construire un aérodrome. Un peu plus de 30 ans plus tard, l'aérogare de Nîmes-Garon est inaugurée. Les officiels lui prédisent à l'époque un brillant envol. Quelques instants plus tard, dans un hangar face à la piste, les verts se levaient à la prospérité de l'aéroport de Nîmes-Garon, comptant désormais parmi les 10 premiers de France. De l'autre côté de la piste, l'armée vient de s'installer. La marine nationale a pris ses quartiers et construit d'immenses hangars. Avec ses 2500 hommes, c'est une des principales bases militaires de l'aéronaval. C'est là qu'est accueilli, en 1965, le premier Breguet Atlantique. Sa mission, surveiller la Méditerranée. On avait des avions qui assuraient des patrouilles en permanente. En Méditerranée, on avait quasiment H24 et 365 jours par an. Un Breguet Atlantique en vol qui surveillait l'approche de nos côtes. À l'époque, on travaillait effectivement, essentiellement à la recherche des sous-marins soviétiques qui venaient nous menacer un petit peu trop près des côtes, puisqu'ils venaient parfois jusqu'à 100 km. Il fallait leur faire comprendre qu'on les avait détectés et absolument leur faire un signe qui leur permettait de dire « je ne joue plus, je fais demi-tour, je redescends vers le sud ». Le capitaine de corvette Clément veille jalousement sur un de ses anciens avions. Un vestige du passé aujourd'hui cloué au sol, en bordure du terrain militaire que l'aéronaval a dû quitter en 2011. Un crève-cœur pour les marins du ciel. Surnommé le porte-avions au milieu des terres, la base avait de nombreux atouts. Une météo permettant de décoller pratiquement chaque jour de l'année et une piste parfaitement adaptée et orientée. La fermeture, ça a été une fermeture dramatique parce qu'on ne comprenait pas que la puissance de réactivité qu'avait cette base puisse être ignorée pour des simples questions, disons, économiques. Trois flottilles étaient basées ici avant que l'armée de terre ne vienne les remplacer. Le lieutenant de vaisseau Charles Desclos, dit Charlie, est un ancien pilote d'Alizé, dédié à la surveillance et à la chasse aux sous-marins.
des appareils catapultés depuis la piste d'un porte-avions, puis posés au terme de manœuvres particulièrement délicates. Charlie faisait partie de ces pilotes effectuant ces incroyables appontages. Les équipages étaient formés à Nîmes avant de rejoindre la mer. Quand il n'y avait pas de mission sur le porte-avions, on était basé ici sur la base. Et dès qu'il y avait un groupe aérien qui était formé, si on en faisait partie, ben on quittait la base pour plusieurs mois, quelquefois. Et à ce moment-là, on allait là où la mission nous appelait avec le porte-avions. Avec l'Atlantique, l'Alizé est le deuxième avion emblématique de l'aéronavale à Nîmes. Et les anciens marins sont très fiers d'en avoir sauvé et conservé un exemplaire. On a réussi à avoir cet avion qui était retiré de service, bien sûr, mais qui était au parc à ferraille hier. Et en accord avec le commandant de la base du moment, de l'armée de terre, là, il nous a dit, bien, écoutez, mettez l'avion devant la chapelle de la base. L'Alizé est symboliquement posé face au monument aux morts. En 50 ans de service, la base aéronavale de Nîmes a déploré 57 disparus. Voilà, de retour sous le soleil gardois ici à Nîmes-Garon, mais également dans le vent avec notre premier invité, Pierrick Caillé. Vous êtes ingénieur ici pour la base avions de la sécurité civile et donc grand spécialiste des avions bombardiers d'eau. Alors, on connaît tous le Canadair, mais ça n'est pas le seul appareil qui bombarde les feux ici à Nîmes-Garon. Il y a également le Dash. Un Dash, je croyais que c'est un appareil civil. Exactement. Donc nous, on a aussi deux appareils Dash 8 qui sont normalement des avions de transport régionaux qui ont été convertis pour pouvoir accueillir une soute amovible pour emporter 10 tonnes de produits retardants pour lutter contre les feux de forêt. Donc ça, ce sont ces missions de feux de forêt. Et on s'en sert aussi donc au profit du ministère de l'Intérieur en dehors des périodes de saison feu pour faire à la fois du transport de passagers au profit des différents ministères ou du transport de fret principalement dans des vocations humanitaires. Alors 10 tonnes, ça veut dire qu'ils chargent plus que le Canadair. C'est ça, exactement. C'est entre guillemets la cavalerie. D'accord. Alors il y a le Dash bien évidemment, mais il y a également aussi le Tracker qu'on confond parfois avec le Canadair parce qu'ils ont un peu la même allure. Dites-nous en plus sur cet avion. Alors le Tracker, c'est un autre type de bombardier d'eau, un peu plus léger, qui lui, à la différence du Canadair, va avoir besoin d'une station au sol pour se ravitailler en eau. Lui, il emmène 3 tonnes de retardants. Et ce sont les avions qui participent au guet aérien armé, qui est une politique française de lutte contre le feu de forêt, qui vise, dans les périodes à risque, à mettre en place des patrouilles de 2 avions sur des circuits prédestinés, afin de prévenir tout risque d'incendie et d'intervenir au plus vite pour maîtriser ces incendies. Alors c'est un avion qui largue essentiellement du retardant. Oui, c'est ça. Donc c'est un produit qui va en fait faire une barrière pour limiter la propagation du feu. Donc c'est un produit chimique qui n'est pas nocif pour l'environnement et donc qu'on remplit au sol et qui après est largué sur le feu à raison de 3 tonnes. Et lequel de ces appareils vous préférez? Vous en avez peut-être un de préféré quand même. Ah, c'est quand même le Canadair. On est tous fans du Canadair, ben ça tombe bien parce qu'on va vous le présenter en détail tout de suite. C'est un reportage de Nicolas Albrand. Merci. La mission des Canadair, éteindre les feux de forêt, comme ici dans les Pyrénées-Orientales. Reconnaissables entre tous, ils sont devenus le symbole de la lutte contre les incendies partout dans le monde. Comme ici dans ces forêts du Canada, pays d'origine de cet avion. Ou encore ici en Grèce, où le pilote n'hésite pas à voler au plus près des flammes. En service depuis 49 ans, le Canadair est le seul avion au monde construit spécialement pour lutter contre les incendies. Capable de se charger presque n'importe où, lac ou mer, il lui faut un plan d'eau d'au moins 1 km de long. Le chargement est une opération délicate. Elle a été filmée ici lors d'un entraînement dans le port de Marseille. On prend. Attention pour les écopes. Pendant cette phase, l'avion reste sur l'eau pendant 12 secondes, une opération parfois dangereuse. L'esthétique, si vous voulez, c'est d'être confronté à quelque chose qu'on n'aurait pas vu dans l'eau, d'avoir un choc. On est proche du sol, on est près de l'eau, donc c'est toujours un petit peu risqué. Le Canadair peut transporter jusqu'à 6000 litres d'eau, le volume de 40 baignoires. Généralement, les réservoirs sont ouverts à 30 mètres au-dessus des arbres. Et c'est le pilote qui choisit quand et où il doit larguer ces milliers de litres d'eau. Ici, on peut voir les portes de largage qui se situent au nombre de 4.
En fait, le largage se fait par rapport à des sensations visuelles uniquement. C'est pas un instrument qui va nous dire de larguer à tel endroit. Au total, la France dispose de 12 Canadair. Ils seront désormais basés à Nîmes-Garon. Et nous sommes toujours au pied d'un des Canadair avec Daniel Manzo, qui est le chef pilote Canadair ici à Nîmes-Garon désormais. Hein. À Nîmes-Garon, oui. Voilà, ça vous fait rien de quitter Marignane, vous ? Non, ça, je trouve, comme vous l'avez vu, la base, la nouvelle base est extraordinaire. Non, ça me fait rien de quitter Marseille, où les locaux commençaient quand même à être un peu exigus. On était quand même nombreux. C'était ancien, donc là, on a des super locaux. Alors, on va parler quand même du pilotage de cet engin, qui est un pilotage pour le moins particulier. Qu'est-ce qui est le plus compliqué par rapport à un pilote traditionnel militaire, on va dire ? Eh bien, le plus compliqué, je veux dire, d'ailleurs, d'abord, les pilotes sont tous anciens militaires qui sont quand même déjà d'entrée habitués à des situations compliquées, on va dire, et ils sont déjà de par nature obligés de résoudre les problèmes qui se présentent à eux rapidement. Donc, c'est ce qui va se passer avec le Canadair, que ce soit à décopage ou sur feu. Donc, il y a d'autres avions qui font du feu aussi. Hein, donc, tous les pilotes qui vont arriver sur un feu pour faire un largage, qui sont un Canadair, un Tracker ou un Dash, on a tous le même réflexe. On va d'abord bien faire le tour du feu et voir surtout tous les obstacles, quels qu'ils soient. Vous êtes à très basse altitude. On est à très basse altitude. Donc, vous avez la montagne, les collines, les lignes électriques, les arbres, les vallées qui, au bout, sont fermées, par exemple. Donc, il faut faire le feu lui-même, bien sûr, avec la fumée. Et il faut faire un rapide tour du feu, parce qu'on est plusieurs, hein. Il y a les pompiers qui attendent, il faut larguer rapidement, faut pas se précipiter, mais il faut bien voir tout ce qu'il y a autour et examiner tout ça et en déduire l'endroit par lequel on va arriver, où on va larguer et par où on va sortir aussi de cette passe. Et bien sûr, on est en accord avec tous les autres pilotes, bien sûr, également avec le commandant des opérations de secours, le pompier qui est au sol. Coordination avec, bien sûr, coordination, les pompiers au sol. Voilà. Donc il ne faut pas croire, mais il y a toujours des discussions entre le pompier et le pilote, on va dire, pour s'accorder sur un type de largage. Ensuite, après ça, il y a également le plan d'eau. Après, il faut aller écoper. Donc, on retombe exactement... C'est la spécificité du Canadair, voilà, qu'il est capable de se recharger tout seul. Voilà, on va écoper. Donc là, on va arriver dans la même situation, je dirais. On va faire le tour du plan d'eau, voir les obstacles, s'il y a des baigneurs, s'il y a des voiliers, s'il y a des oiseaux, par où on va rentrer, par où on va sortir en fonction du vent. La surveillance, c'est un des travaux principaux du pilote de Canadair. Voilà. Et puis on va faire notre écopage, on va retourner sur le feu. Donc les deux sont assez similaires dans l'approche de l'objectif, quoi, je dirais. Alors on imagine que quand on largue 6000 litres d'eau au-dessus d'une zone très chaude, est-ce qu'il y a des mouvements aérodynamiques qui sont difficiles à maîtriser ? Ou est-ce que l'engin est tellement bien que... Alors le largage lui-même, non, il n'est pas... On croit qu'on prend des jets et tout. Non, pas du tout. C'est assez... Bon, l'avion bouge un peu, c'est sûr, puisqu'il est délesté. Hein, donc il va vouloir un peu monter, on va un tout petit peu le contrer, je dirais. Mais non, c'est pas ça. Le plus important, c'est pas ça. Le plus dur, c'est de prendre en compte il y a un feu. Donc si on demande des Canadair, c'est qu'il y a du vent, ce qui n'est pas accessible, ça veut dire qu'il y a du relief, ça veut dire qu'il y a des turbulences. Le vent peut être, aujourd'hui on a du 20-30 nœuds, je pense, de vent, pas plus, mais vous avez souvent presque du 100 km/h dans du relief. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est pas terrible, quoi. Il faut vraiment bien faire le tour, regarder ce qui se passe, surtout par où on va sortir, et toujours intégrer dès qu'on fait une passe et dès qu'on est d'accord, qu'on est tous d'accord pour une passe, il y a également la sortie. C'est primordial de savoir par où on va sortir de cette passe en cas de panne moteur. Hein, parce qu'il faut toujours prendre en compte le fait que l'avion peut avoir une panne, quoi. Et puis vous n'êtes souvent pas seul, c'est souvent des volants patrouille en plus. Oui, en plus ce sont des volants patrouille. Mais disons que ce qu'on appelle le chef de Noria, lui, va décider pour tout le monde. Mais bien sûr, les autres ont leur mot à dire. Ils le disent d'ailleurs, ils le disent souvent. Une fois que tout le monde est d'accord, c'est parti. Le premier largue à tel endroit, l'autre raccourcit, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas un Canadair qui va larguer ailleurs que... c'est bien défini, ça marche très bien. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup, Daniel Manzo. Et puis, bien évidemment, on vous souhaite pleine réussite pour contrer les feux de forêt dès cet été, ici, depuis la base de Nîmes-Garon. Merci d'avoir beaucoup été avec nous. Au revoir. Et on va continuer à se pencher sur l'histoire de ces pompiers de l'air. Une histoire qui n'a pas commencé avec le Canadair, mais bien avec le Catalina. Séquence historique, donc, avec Thierry Saint-Tous. Un nouveau type de bombardier est né. Un bombardier pacifique, accueilli sinon avec joie, du moins avec soulagement.
L'efficacité de ces avions amphibies est telle que le ministère de l'Intérieur a décidé d'augmenter de 6 unités cette escadrille de bombardement d'un nouveau genre. Dans la France des années 60, les feux de forêt dévastent des milliers d'hectares. Au sol, les pompiers sont souvent démunis face à ce fléau. C'est grâce à l'obstination d'un sous-préfet, Francis Arrigui, que l'idée de se doter de bombardiers d'eau devient une réalité. Ah, ben les Canadair, vous pensez bien, les Canadair arrivent avec 6 000 litres d'eau, appelant approximativement, ils font un effet alors que les camions n'ont que 2 000 litres. C'est pas la vie de lancer avec un jet. Enfin, l'apport des Canadair est essentiel. Entre 1963 et 64, 4 Catalina, d'anciens hydravions de lutte anti-sous-marine, arrivent à Marignane, ainsi née la première escadrille de bombardiers d'eau. En 1969, arrivent les Canadair, les CL-215. Cet appareil devient vite la bête de somme de la lutte anti-aérienne contre les feux. Exploité pendant 27 ans, ces Canadair à moteur à piston changeront la doctrine du combat contre ces grands feux. Grâce à ces 15 Canadair, le fléau n'est plus une fatalité. Au début des années 80, on a compris que l'intervention rapide sur les départs de feu est la plus efficace. La sécurité civile se dote donc, en plus des Canadair, d'une flotte de 20 Tracker 52F. Et c'est en 2004 que sont mis en service les Canadair tels que nous les connaissons aujourd'hui. Le CL-215 est rajeuni, il devient le CL-415. Les moteurs à piston sont remplacés par des turbines plus puissantes. Des winglets améliorent la performance de l'avion qui peut désormais emporter plus de 6 tonnes d'eau. Mais l'histoire des pompiers volants est aussi celle de leurs victimes. Depuis les années 60, plus de 30 équipages ont péri en mission et plus de 25 appareils ont été détruits. 2 Catalina, 7 Canadair, 2 DC-6, 8 Tracker. Voilà, retour ici à Nîmes Garon, toujours au pied de ce célèbre Canadair avec le colonel Bodini. Vous êtes le directeur de l'Entente pour la protection de la forêt méditerranéenne. Vous êtes donc pompier. C'est ça, exactement. Exactement. Alors si vous êtes avec nous, c'est parce qu'en plus de l'arrivée de la sécurité civile, de l'ensemble des moyens aériens de la sécurité civile, ici, on va pouvoir mettre en place un centre européen de lutte contre les incendies. Expliquez-nous quel en est le principe. Alors, il s'agit plus précisément d'un centre de simulation à l'entraînement sur les opérations aériennes. Alors, ce centre va permettre notamment... Alors, c'est pas un centre qui va permettre d'apprendre à piloter ou à piloter des avions. Ils savent déjà le faire. Ils savent le faire et puis d'autres centres existent pour ça. Non, c'est un centre qui va permettre de mettre en synergie différents moyens aériens, différents types de moyens aériens, que ce soit des avions, des hélicoptères, pour les faire travailler sur un volume opérationnel, sur une intervention commune, pour pouvoir se coordonner, pour pouvoir travailler les procédures, pour pouvoir travailler avec les troupes qui sont au sol, donc avoir également une coordination aéroterrestre la plus précise possible afin de parfaire les missions et les interventions. Alors quand on dit centre européen, et peut-être même on va regrouper le Maghreb avec, ouais. Ça veut dire que la France est en pointe dans ce domaine ? Absolument, donc la France, dans le domaine de la sécurité civile en général et celui des feux de forêt en particulier, est en pointe. La stratégie française repose sur une doctrine qui est maintenant très performante, qui repose sur plusieurs critères qui vont de l'attaque des fenaissants à l'attaque massive, utilisation de moyens complémentaires. Et donc, il est utile à un moment donné, à travers la formation, de pouvoir coordonner l'ensemble de ces moyens pour qu'ils soient engagés le plus efficacement possible sur un feu. Ça veut dire qu'on peut imaginer que bientôt des Allemands, des Espagnols, des Italiens viendront ici ? Alors des Allemands, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas oui, des Espagnols, des Italiens, des Grecs aussi, c'est-à-dire tous les pays qui ont à utiliser des moyens aériens sur les incendies de forêt et qui à un moment donné vont se renforcer. Et dans le cadre de ce renforcement mutuel, il est utile et préférable, à notre avis, d'avoir révisé ces gammes auparavant, notamment en ce qui concerne donc cette coordination aérienne. Oui, et ça évite notamment des drames, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des pompiers qui, eux, sont au sol pour combattre les feux. Les pompiers sont au sol, effectivement, et donc ce n'est pas anodin. Lutter contre le feu de forêt, c'est très dangereux, autant pour les pompiers au sol que pour ceux qui sont dans les moyens aériens. Alors l'intérêt de l'outil de simulation, également, donc, c'est de travailler ces modules européens
avec les collègues français. Donc, je lui disais de réviser ces procédures et de le faire sur des scénarios que l'on peut recréer à souhait. Et en toute sécurité, bien entendu. Merci beaucoup, mon colonel, d'avoir été avec nous donc, pour nous parler de ce futur centre européen. On va continuer ce carnet de vol spécial sécurité civile avec un gros plan sur le groupement hélicoptère de la sécurité civile. Groupement qui, lui, est déjà installé ici à Nîmes-Garon depuis 1997. C'est un reportage de Florent Hertmann et de Franck Le Tranchant. Dans les gorges du Gardon, la sécurité civile est en pleine intervention. Une opération délicate et en milieu périlleux. Cette mission de secours est en fait une séance d'entraînement. Deux stagiaires, des mécaniciens opérateurs de bord, procèdent à des élitreuillages de sapeurs-pompiers sous l'œil de leur instructeur. C'est des vols pour nous, où on revoit les techniques qui nous permettront ensuite d'être opérationnels dans des circonstances plus délicates. Donc sur l'NMS, dans le volume LEG, tu pourras rentrer le premier point de navigation. Des entraînements auxquels se soumettent tous les ans les 92 équipages du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Des vols réels, mais également de nombreux vols en simulateur dans le cadre de leur formation permanente. On va faire environ 5 séances pendant leurs 2 semaines de stage pour s'entraîner donc à utiliser le calculateur de nav et tout ce qui est avionique nouvelle. En fait, ça leur permet de découvrir, c'est vraiment un entraîneur de procédures et on va les faire travailler sur les procédures de secours. Depuis 20 ans, la base de Nîmes-Garon assure la remise à niveau du personnel. Elle s'occupe également de celle des appareils. Dans cet immense hangar, les hélicoptères subissent une impitoyable visite médicale. Toutes les 800 heures de vol, chaque appareil rejoint le centre de maintenance afin d'être entièrement désossé. Chaque mécanicien, en fait, va prendre une partie de la machine et va commencer son inspection. Quand il aura inspecté, donc, il va faire un état de la situation. Est-ce que la pièce est bonne? Est-ce que j'ai des pièces à changer dessus? Est-ce que je peux la remonter? La moindre pièce est ainsi auscultée à la loupe. J'essaie de voir à l'intérieur, là, on a une petite usure, de voir si c'est profond ou pas, en fait. Si on a dépassé les critères, qu'on est hors tolérance, on va changer la pièce. Là, c'est... on visite la porte, donc ici, sous cette porte, je vais changer cette partie. Je vais ouvrir, là, pour voir si le jeu que j'ai dans la manette, là, c'est dû à la poignée ou à la tringlerie. On est pointilleux. On est issu de 80% de l'armée. On faisait à peu près les mêmes choses, avec la même notion d'équipage. Le but, c'est que les équipages fassent leur mission sans se demander si la mécanique va tenir ou pas. Une fiabilité qui a un coût, 60 millions d'euros versés chaque année par l'État. C'est le budget alloué pour sortir des ateliers des appareils pratiquement remis à neuf. 35 hélicoptères utilisés 7 jours sur 7, malmenés par les missions, soumis aux intempéries et à la corrosion, mais qui ont permis de secourir plus de 15 000 personnes l'an dernier. Voilà, de retour dans le vent gardois. Encore une fois, on a pas mal de Mistral avec Fabrice Maillet, responsable du groupement hélicoptère de la sécurité civile ici à Nîmes. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, on parle beaucoup des bombardiers d'eau dans cette émission, mais la sécurité civile, ça n'est pas que la lutte contre les feux de forêt, c'est également le sauvetage des personnes. Vos dragons sont connus un peu partout pour leur secours d'urgence. Oui, tout à fait. Alors, en fait, je suis chef des moyens opérationnels. Je suis pas encore le responsable de la base, mais donc oui, très certainement, très certainement. Donc, en fait, effectivement, on dispose de 23 bases hélicoptères qui sont réparties sur tout le territoire et également en outre-mer, de 5 détachements qu'on arme pour les saisons estivales, pour la période d'affluence de personnes. Et l'ensemble de ces moyens réalise environ 16 000 heures de vol par an. On a secouru 15 500 personnes en 2016, 24 000 opérations de 4000 opérations de nuit, 4000 heures de vol de nuit. Pardon. Ah oui, donc on voit que c'est quand même une grosse mission de la sécurité civile. Les hélicoptères qui participent également ponctuellement à la lutte contre les incendies. Alors tout à fait, ça fait partie des missions du groupe hélicoptère de la sécurité civile. Alors on ne fait pas d'attaque directement d'incendie, mais on va s'occuper de la partie reconnaissance des chantiers. On fait également du marquage objectif. On a un officier sapeur-pompier à bord, un officier aéro, qui va lui déterminer l'endroit où il souhaitera que la noria de pélicans ou de moyens aériens larguent leur charge.
Et vous faites aussi beaucoup d'interventions en montagne. On a des superbes images qui passent actuellement. C'est un plaisir, j'imagine, quand on est pilote, de se retrouver dans ces configurations. Oui, ben on vit tous, on a tous la chance de vivre un métier de passionné. Donc les équipages sont tous passionnés par leur métier, qu'ils soient en montagne, en mer ou en basse plaine. Mais derrière ça, on a également des petites mains qu'on a sur notre droite, là-bas dans le centre de maintenance. Donc ce sont des techniciens qui interviennent au quotidien pour entretenir les hélicoptères. Ce sont des agents administratifs qui s'occupent de toute la partie administrative, un centre de formation et un état-major qui essaye de faire au mieux pour gérer l'ensemble de ces 305 personnes que comprend le groupement d'hélicoptères. Allez, rapidement, puisque vous êtes arrivé, vous, en 97, enfin en tout cas le groupement hélicoptère de la sécurité civile ici à Nîmes, et que les autres moyens aériens vont arriver, qu'est-ce que vous leur avez dit? C'est sympa Nîmes ou pas? Bienvenue à Nîmes. Bienvenue à Nîmes, puisque ça, nous, on est très heureux de voir nos camarades de la base d'avion nous rejoindre. Mm-hmm. C'est la deuxième étape, puisque nous, on est arrivé effectivement en 1997. La deuxième étape de l'arrivée de la sécurité civile, et puis ça nous permet d'avoir une grosse base sécurité civile sur Nîmes et de crédibiliser l'action de l'État au niveau des moyens aériens sécurité civile. Merci Fabrice Maillet d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au déménagement des moyens aériens de la sécurité civile ici à Nîmes-Garon. Il me reste à remercier tous les moyens techniques de France 3 Languedoc-Roussillon, Sylvain Jaeger pour la coordination éditoriale, Laure Cornejo pour les programmes. Merci également à Jean-Pierre Duns qui nous a signé ces images avec lesquelles nous allons nous quitter, celles des démonstrations aériennes réalisées hier lors de l'inauguration de cette nouvelle base ici à Nîmes. Bon vol à toutes et à tous et à très bientôt.